Hello tout le monde, c'est Roman, comment allez-vous? Moi je vais bien. On se retrouve aujourd'hui sur Wolf in Uptown, un jeu que Percy m'a offert et m'a demandé de faire une vidéo dessus. C'est un jeu d'horreur apparemment avec des loups et je sais pas du tout c'est quoi le but. En tout cas, le menu est assez simple, comme on peut voir. Bon, tout est en anglais malheureusement. On va commencer le jeu. Il a quitté avant je ne sais pas quoi, il a suivi jusqu'à la prochaine nuit. Je ne sais pas, donc je vous laisse un peu les phrases et bah laissez faire pause pour traduire un peu parce que moi, comment dire, moi et l'anglais c'est pas trop ça. Oh, peut-être, n'empêche, c'est les gros pâtés donc il y a des par le poison, tout ça. Un jeu de David Swidmanski. Bien faite. Dommage qu'il n'y ait pas les sous-titres. Ok, on est dans un genre d'enclos très coloré. Ça, je pense que ça sortit. Ok, une simple serrure. Est-ce qu'on peut l'ouvrir avec le ciseau? You can get the scissor in the. Ok, apparemment on peut pas faire avec le ciseau. Avec un tournevis. Ouais, j'ai reçu avec le tournevis. Ok, ça court. Sweetie, it's mom. Listen to me. This is very important. You need to stay put. Don't leave the fenced-in area. Don't go into the basement. Don't mess with that machine outside. Just don't go anywhere, all right? Stay in the shed and wait for me. There are some dangerous animals loose, and I don't want you to get hurt. Everything is going to be fine. Just do as I say. Ok, donc en gros, elle a dit de pas sortir, qu'il fallait faire attention aux animaux, que je devais pas aller autre part que dans cet enclos, et ne pas chercher à aller dans les. Ok. Dans les. Attends, il y avait un ciseau là. Il y a un ciseau. Je peux couper la corde avec le ciseau. Non. Par contre, il y a des bruits chauds à côté. De ne pas aller autre part que là, que tout ira bien et tout ça, tout ça, tout ça. Et puis voilà. Là. Oh putain, j'ai dû regarder mon tournevis. Donne-moi mon tournevis. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Un ciseau encore? Je sais pas ce que c'est. On dirait un saucisson. Un cou Ah tiens, un couteau. Donne mon couteau. Peut-être couper la corde avec le couteau. Yeah. Putain, mais. On va m'appeler tous les 5 minutes ou quoi, la meuf wesh Sweetie, you have to stop messing with things. I know you love to explore and play with machines. Je pense On va s'éloigner un peu des robots, hein. Par contre, du coup, j'ai pas suivi ce qu'elle avait dit. Du coup, il y avait quoi là-bas? Il y avait une chaîne. Qu'est-ce qui pourrait couper une chaîne? Bah, si on a. Non. Il y a quoi d'autre ici? Putain, par contre, il est super coloré le jeu. Des fois, je vois que dalle quoi. Ok, là, il y a un couteau, il y a un bout de verre.
Il y a même des bouts de verre. Ah, une pince, nice. Il y avait une autre pince, je crois. On va ranger ça là-dedans. Bah. Wow. Hey, tu vas te calmer direct. Attends, il y a plein de tournevis là. Pourquoi ils ont donné plein de tournevis? Ah putain, c'est relou ça. Je peux faire, une interaction en ayant un seul objet dans ma main ou rien. They see everything. They judge everything. And the wolves know too. And I know. Don't touch that machine. Stop getting into things. Don't try my patience. Je joue pas avec sa patience, ouais. Bon, il y avait un tournevis, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à découvrir alors? Ah ouais, putain, mais je crois un fabric. Sérieusement, je sais pas à quel moment il y a des loups, mais je vais. Je sais pas si. En fait, ça peut pas être nous le loup, on peut pas se déplacer comme ça. Ok. Ok, donc l'eau va jusque là. Moi, je sais pas s'il faut que je le fasse rentrer là. Si on fait ça. Est-ce qu'il y aurait un petit interrupteur, s'il vous plaît? Ah bah il y a une torche. Non mais... Le... Ouah, tu as des pics et tout. Ouah, tu as des ciseaux, mais what the fuck? What part of don't go into the basement, don't you understand? I've tried being nice, and apparently you're too stupid for nice. So get back in your little shed and wait there, quietly, until I decide what to do with you. Or do you want to die? En gros, elle dit, tu es fou, tu vas mourir. Attends, il y a un truc. Ok, donc j'ai déjà tourné la valve. Est-ce que je peux appuyer sur le bouton? Je peux pas appuyer sur le bouton. Pourquoi il y a autant de pics dans cette salle? Des loups-garous ou quoi, wesh? C'est sérieux quoi. C'est quoi là, un petit carré? C'est un bouton ou... Ok, on fait couler de l'eau, très bien. Carrément une hache quoi. Dommage, on peut pas ramasser la hache. Comment je peux le dépasser ça? C'est bruit chelou qu'on entend, wesh. Eh tiens, si je prends un briquet et que j'allume là. Je peux pas cramer le bois. Niel! Je voulais tout cramer, moi! Est-ce qu'on peut ramasser ça?
On peut pas ramasser. Oula, il y a des seringues. À quoi servent les seringues? Sortir un marteau. Quoi servirait le marteau? Par contre, je vois que de l'eau. Il y a encore un tournevis. À quoi servirait le marteau? Oh, tiens, s'il y a un fil là. Ah, ici. Ça par contre ça peut être intéressant. Putain mais ouais mais je vais rien avoir aussi pour récupérer ça. Je vois que... Voilà. Je veux m'éclairer moi. Voilà. Bon, tu rends ma torche, s'il te plaît. Ah, mais je viens de comprendre à quoi sert le briquet. C'est pour allumer les petites bougies. Voilà. Bon, par contre, ça éclaire pas plus que ça, quoi. La boulette, moi. Putain, j'ai fait la boulette, moi j'ai laissé tomber le briquet. Do I have to pry off your kneecaps, you little shit? Ok, je suppose qu'elle est pas contente. Your fucking arms to the floor. I will twist your legs off and break every bone in your ugly little body if I have to. I am your mother. You will obey me. Get back in your fucking cage. En gros là, elle est pas contente, elle veut qu'on retourne dans notre cage. LOL. C'est moi, c'est un interrupteur. Ah, de la lumière. Ok, donc là, on va récupérer ça. Voilà, et on va allumer les petites lumières. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un interrupteur dans l'autre salle. Donc là, il y a une pince. Là, il y avait une autre pince. Du coup, je vais essayer de trouver l'interrupteur. Bah, oh, putain, le con, quoi, c'est un interrupteur. Ok, bon déjà, on avance. On va trouver les lumières. Ah ouais, d'accord, là c'est cassé, d'accord, c'est pour ça que ça veut pas. Par contre, il nous fallait peut-être... Putain, mais what the fuck, quoi. Non, non. Voilà, merci. Est-ce que je peux ouvrir? Oh yeah! Glass object! Je sais pas du tout à quoi ça sert. Est-ce que c'est. Ah bah voilà! Mais à quoi ça sert? Ha! Ha! Waterflow! Ouais. Mais encore! J'ai mis ça dedans, mais à quoi ça sert? Ah, peut-être avec le marteau. Non plus.
sais pas quoi ça sert, ça. Ah, ça sert des genres de fusibles qu'il faut sûrement replacer sur ces conneries. Non plus. J'ai vraiment essayé. Allez, ma torche. Donc, attendez, on va suivre l'effet lent. Bon, mais ça s'arrête là. Est-ce qu'il y a une boîte fusible quelque part? À part ça, il y a quoi? Il y a une seringue, la ciseau, il y a que dalle. Bon, j'aime tous les trucs, hein. Je vois pas là par contre. On peut ressortir. Ah, on peut ressortir. Mais je peux ressortir avec rien. Si je fais aller l'eau par là-bas. Je peux plus y aller là. Si je fais aller l'eau par là-bas. Eh, c'est relou. Alors là, je vois pas du tout ce qu'il faut faire avec des fusibles. En fait, il faut que j'arrive à ouvrir la première porte. Faudrait que j'arrive à ouvrir la porte là-bas. Par contre, attends, ma torche, elle est où? Me dis pas que ça a tout remis à zéro. T'es sérieux, quoi? Ils sont sérieux. Non, le truc est toujours placé, donc c'est bon. Par contre, je vois pas ce qu'il faut faire. Ça contrôle l'eau à l'extérieur. Enfin, de ce que j'ai compris. Que j'avais trouvé mon briquet, hein. Je donne des coups de marteau un peu partout, ça peut-être passer là. Putain, ça m'embosse tout là. Oui, screwdriver. Il est pas content, lui. Je vois pas ce qu'il faut faire. Ça, c'est quoi ce petit truc là? Je suis perdu. C'est le briquet, moi. Ok. Qu'est-ce que ça dit là? You can, tu ne peux rien faire. Tu as le cerveau d'un enfant de 9 ans. Une tête d'un enfant de 9 ans. Oh non, des mains d'un enfant de 9 ans, you don't think. Une clé. Je vois pas ce qu'il faut faire en fait là. Ah, mis à part remettre le courant et se barrer. Ah si, peut-être ça.
Ça a fait des bruits chelous quand j'ai tourné le petit truc. Putain, par contre, j'ai rempaumé. Quand j'ai fait ça, là. You're able to open a valve with the wrench. What the fuck? Pas combiner ça plus le marteau. Je vois pas du tout ce qu'il faut faire. C'est génial. Là-dedans, là. À part des seringues, je sais pas à quoi sert les seringues, mais il y en a pas mal. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On va reprendre ça, on va l'alimenter de l'autre côté. Ah, peut-être avec la place là. Je n'ai pas assez de. Ah. De prise pour resserrer, je sais pas. Là, par contre, il fait noir ici, c'est un truc de ouf. Il n'y a rien entre eux deux. Je ne vois pas ce qu'il faut faire. C'est gros parce que j'ai l'air d'être bien avancé et tout, mais c'est que ce petit truc de merde. De toute façon, il n'y a plus rien dedans. Je suis perdu. Ce qu'il faut faire ici en fait. Utiliser tout ton corps. Je vois pas. Là en fait déjà c'est rouge là. Je vois pas ce que c'est. Ça indique le pas le sens mais. Donc, je pense. Bringing. Putain, je sais plus. Que l'eau vient de dehors. Donc, ça alimente la machine. Il n'y avait pas marteau auparavant. Je vois pas ce qu'il faut faire, c'est un truc de fou. En fait, ça me paraît un truc logique et tout, mais je sais pas, je trouve pas. Pourquoi ils mettent une chaise ici, quoi? Après, ils parlent de fusibles. Pourquoi j'ai des fusibles? Ah, mais attends, je peux pas poser un fusible là-dessus, non? Tais-toi, le chien. Non, ils sont pas là, ils sont là. Que je peux poser un truc là-dessus. Putain, je vois plus rien. Ah bah voilà. C'est pas très l'air de très bien fonctionner, mais on s'en fout. À quoi ça sert les seringues aussi? Il y a une brique. Wow!
Ok, très bien. Suis en train de le shooter avec tous les seringues. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Soit c'est un truc de dehors que j'ai mal fait. Est-ce que je peux sortir avec? Non, je peux même pas sortir avec une arme. What is the fuck? Et là, je peux pas. Putain, mais je vois pas, j'en sais rien. Je ne vois pas ce qu'il faut faire. Encore une tringle. Oui, on s'en bat les couilles, on se défonce. Wow. Ah, je vais cramer ça, je sais pas moi. Pas ça. Parce qu'en gros, ça c'est des témoins comme quoi l'eau, enfin le sens de l'eau arrive, mais il y a rien qui montre ce qu'on fait quoi. Ça on peut pas le ramasser ça. Non. Ça se trouve j'ai oublié un truc dehors, hein. Mais je vois pas quoi. Il n'y avait rien d'autre. Si je fallais des deux côtés. Ah! Des deux côtés, ça a l'air de fonctionner. Enfin, en tout cas, je peux rentrer. Mais ça a pas l'air d'avoir changé quelque chose. On voit bien que c'est sur la droite de la porte. Je vais essayer de tout mettre à droite et essayer de rentrer là. Il doit y avoir peut-être moyen. Là. Regardez, je peux pas rentrer. Ouais. Si j'en ai un comme ça. Comme ça passe. Je comprends pas, sérieux. Soit c'est un problème avec l'eau. Ça reste rouge. Pour contrôler l'eau à l'extérieur. Ouais, je suis d'accord. Mais après ça, on peut plus rien faire, quoi. Et à mon avis, ça doit venir de dehors. Soit je fais un truc mal, ou soit... j'ai loupé un épisode. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, quand je descends, c'est sur ma droite, donc ce serait plus ça. Mais j'ai besoin d'eau ici pour... Ah si, ça descend pas là. Ah, c'est vert. Ok, c'est vert là.
Oh. C'est bon, il se déplace sur roulette, le loup. C'est bon, il a disparu. Par contre, j'aurais peut-être dû garder la torche avec moi. Et ouais, c'est tout flou, je vois que dalle. Faut que je vais récupérer la torche. Au revoir. À la porte. Un bouton. C'est bon. Putain, il a bouffé ma torche, bâtard. Non, il a bouffé ma torche. Ok. Putain, tout ça pour ça, quoi. Ah, la lumière ne bouge plus. Par contre, l'eau, il y a des nouveaux trucs. You're a little bitch, you know that, don't you? A horrible little bitch. Wasting time playing with electric motors while I slave my life away. Torche. Do you think I wanted you? I kept a wire coat hanger in the bathroom for months. Just to look at it and think about it. Moi j'y vais à l'arrache. YOLO. Wow. Il m'a encore enlevé ma petite intro. À faire. Je vais enlever ma torche, je veux pas. Je veux pas. Je souhaite tout ce qui est ouvert. Désir est dans Just Live et Future. On va voir, je vois pas ce qu'il y a en fait. J'ai pas vraiment le choix. Ah si, j'ai ça. Ouah, c'est de toute beauté. J'ai besoin de tourner en rond. Ouais, je suis vraiment en train de tourner en rond. Love and feelings, a forest and a basement, locked away and unconditional, and you can't let them both out. The world is a growling, grinding machine, and you can't escape its teeth without teeth to match. It devours little girls like you, eats you up from the inside. Someday you'll know the meaning of ruin and wasted years. You'll have children of your own, and you'll understand. You can't live life without the howling. Mais encore. Ah. Ouh. C'était la calade record de Westeros.
some dudes. Okay. Autumn and our clock when the next room over began to ride. Ouais, je comprends plus rien là. Awake now! Are you awake? Sa voix, Wicker, sonne. Somme normal. Putain, ouais, je comprends rien quoi. Nah, pourquoi ils vont pas déjà embrasser? I love you, mom. Ah, j'étais maman, ça j'ai compris. Aïe. Ça, en fait, c'est un putain de gros dialogue quoi. Je... Non, genre... Oh, on a fini. On a fini. Je sais pas pourquoi il nous montre toujours le plan là. C'est bon, je peux rien faire. Ça me dit vachement ce que je dois faire. Je peux rien faire. Je peux pas bouger. Ah, j'ai perdu. Bon bah je suppose que... Que Addis vienne, hein. Dommage.